وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Beaucoup de frères se trompent. Ils prient, ils sortent, ils disent, ah, il fait nuit encore. Comment ça se fait? L'heure, elle est trop tôt. Allah, il miskin, il connaît rien aux horaires de salat. Premièrement, c'est normal qu'il fasse nuit. C'est pas le jour. C'est pas shuruq encore. C'est le fajr. C'est-à-dire que c'est les premières lueurs à l'horizon qui apparaissent. Allah Ta'ala l'a appelé le fil blanc. C'est-à-dire, c'est un fil blanc à l'horizon. Quand on sort dans les déserts. Donc, imaginez-vous. C'est pas ce qu'on croit. La personne, elle sort, elle regarde dans l'air, elle voit que s'il y a de la lumière ou s'il fait nuit. Combien de gens, ils se permettent de parler sur les horaires de salat, ils ne connaissent rien aux signes distinctifs des horaires de la prière. Selon ses passions. Ah non, mais il fait pas jour, mon frère. Comment je peux prier, il fait pas jour? Je vois pas la lumière du jour. Est-ce qu'Allah t'a demandé de voir la première lumière du jour? Allah, il dit jusqu'à que le fil blanc du fil noir se distingue. C'est ça le signe distinctif entre le fajr et la nuit. Et ce signe distinctif, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, il n'est pas visible dans les villes.